Bonsoir à tous. Bienvenue à la séance extraordinaire du 20 décembre 2023 à propos de la séance du budget. C'est le seul point qui est à l'ordre du jour de ce soir. Comme d'habitude, je demande aux gens, s'il y a des questions, de délibérer dans un environnement de respect, d'intégrité et de transparence. Bonne séance. Bonsoir à tous. J'espère que le sang est bon. Semblerait-il que lundi soir, pour certaines personnes, que le sang n'était pas. On a des difficultés là, à certains endroits, peut-être avec la température, mais en espérant que ce soir tout fonctionne bien. Donc, séance ce soir, tout le monde est présent. Donc, l'ordre du jour de la séance du budget est la suivante. 1. Adoption du règlement VGR 733, ayant pour objet d'établir le taux de taxe foncière générale ainsi que les tarifs pour les services municipaux pour l'année 2024. Il va avoir le résumé du budget par son honneur le maire. Période de questions. 3. Levée de séance. Donc, point 1. Adoption du règlement VGR 733. Règlement ayant pour objet d'établir le taux de taxe foncière général ainsi que les tarifs pour les services municipaux pour l'année 2024. Attendu que le conseil municipal a adopté ses prévisions budgétaires 2024. Au montant de 7 526 100 $, attendu qu'il y ait lieu de décréter le taux de taxe foncière générale et les tarifs pour les services municipaux pour l'année 2024, attendu que les membres du conseil ont reçu une copie du règlement ayant pour la présente séance, pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que le règlement VGR 733 ayant pour objet d'établir le taux de taxe foncière générale ainsi que les tarifs pour les services municipaux pour l'année 2024 soit et adopté et que le conseil ordonne et statue par le présent règlement ce qui suit. Donc, au niveau du règlement VGR 733, je vais vous lire là, les principales lignes. De toute façon, je pense c'est que le règlement il va être affiché aussi sur le site là, de la ville. Donc, attendu que le conseil municipal a adopté ses prévisions budgétaires 2024 au montant de 7 526 100 $, attendu qu'il y ait lieu de décréter le taux de taxe foncière générale et tarifs pour les services municipaux pour l'année 2024, attendu qu'un avis de motion de ce règlement fut régulièrement donné à la séance ordinaire du 11 décembre 2023, attendu que le projet de règlement fut régulièrement déposé à la séance ordinaire du 11 décembre 2023, attendu que les membres du conseil ont reçu une copie du règlement ayant la présente séance, pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le règlement VGR 733 ait pour établir le taux de taxe foncière générale ainsi que les tarifs pour les services municipaux pour l'année 2024 soit et ait adopté et que le conseil ordonne et statue par le présent règlement ce qui suit. Donc, au niveau de l'article 1, le taux de base va être 1 $ du 100 $ d'évaluation. Si ce logement est plus 1 $ par 100 $ d'évaluation, le non-résidentiel et ainsi que l'industriel 1,70 par 100 $ d'évaluation, agricole 1 $ du 100 $ d'évaluation, forestier 1 $ du 100 $ d'évaluation, terrain vague 1 $ du 100 $ d'évaluation. Donc, au niveau de l'article 2, c'est que ça vient expliquer là, le taux de taxe et les coûts unitaires des services municipaux pour l'année 2024, comme suit, tout dépendant des catégories. Donc, là-dedans, au niveau du taux de taxe, là, on voit, mettons, là, pour chaque unité, pour les secteurs, le type, là, mettons, de commerce, institution qui est en place. La seule chose, c'est que... Comme vous le savez, là, au niveau de la MRC Rocher-Percé cette année, concernant la gestion des matières résiduelles, c'est que pour les résidences de 1 à 4 logements, on passe de 335 par unité. Puis industrie, commerce, institution, donc c'est 350 $ par unité. Donc, c'est le règlement. Donc, ça prendrait quelqu'un une proposition pour adopter le règlement VGR 733. Donc, y a-t-il quelqu'un qui a fait la proposition? Proposé par M. Leblanc. Est-ce que tout le monde est d'accord avec le budget qui est déposé ce soir? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Déposé par M. Gaston Leblanc.
Donc, on serait rendu au point 2, c'est-à-dire, là, ben, pas au point 2, ça va être au niveau du résumé du budget. Donc, il va y avoir un avis aux médias là, qui va être envoyé là, suite au résumé du budget. Donc, l'objectif là, du résumé de que je veux en faire au niveau de l'argumentaire, c'est de vous expliquer un peu les grandes lignes du budget 2024. Donc, comme vous le savez, pour cette année, le taux de taxe foncière va être à 1$ du 100$ d'évaluation, comparativement à 95 cents du 100$ d'évaluation en 2023. Que le budget 2023, il était de 7 351 700. Le budget 2024, il est 7 526 100 $, c'est-à-dire une différence de 174 400. Une augmentation nette de dépenses de 174 400, c'est une augmentation de 2,37%. Donc, on a estimé un surplus de 209 000 au 31 décembre 2023. Donc, au niveau des principales dépenses pour l'année 2023, lundi soir, je vous avais parlé du carburant, mais en réalité, c'était plus l'intérêt sur obligation. On a vu une vérification qui a été faite avec les trésoriers. Donc, en 2023, il y avait eu budgété 464 000. Il y a eu des dépenses encourues pour 532 000. Un écart de 68 000. Au niveau des produits chimiques, malgré la hausse de l'année passée, on avait budgété 120 000. Mais il y a eu des dépenses encourues pour 157 000. Donc, un dépassement de 37 000 $. Donc, au niveau de les autres parties, là, je veux juste vous mentionner un peu au niveau des écarts. Donc, au niveau de l'administration générale, c'est qu'on a engagé là, 52 900. Excusez, c'est pas vrai. C'est que le budget 2023, je vais y aller là, pour chacun des items. Je pense que c'est important. C'est budget 2023 est à 1 004 700. Budget 2024, 1 057 600. Donc, un écart de 52 900. Sécurité publique, ça comprend là, le service de police, service incendie, 547 900, budget 2024, 574 600, une augmentation de 26 700. Je vous dirais que le principal écart, c'est surtout pour au niveau de la sûreté, au niveau police. Transport, budget 2023, 1 003 400, budget 1 172 600 pour budget 2024, donc un accord de 69 200. Au niveau de l'hygiène du milieu, 1 462 100 en 2023, 1 574 000 en 2024, 111 900 en décor. Santé et bien-être, 64 000, 66 000, 2 000. Au niveau de l'aménagement de l'urbanisation, c'est qu'on avait un budget de 476 500 en 2023, 2024, 380 800. Donc, un écart négatif de 95 700. Donc, il a été décidé, étant donné qu'on voulait s'assurer de réduire l'ensemble des coûts, donc on a réduit là, dans ce secteur-là un compte de 97 000 $. Loisirs, culture, 458 400, budget 2024, 491 100, 32 700. Frais de financement, 482 000, 2023, 2024, 750 100, donc 268 100 $. Donc, cette année, c'est sûr, certain qu'il y a eu des renouvellements. Comme vous le savez, avec l'inflation, l'augmentation des taux d'intérêt, font en sorte que des prêts qui ont été renouvelés là, à des taux supérieurs. Donc, comme vous pouvez voir, mais il y a plus d'intérêt là, à absorber. Sauf qu'il a été fait une vérification à l'interne. Au niveau des frais de financement de la ville, ça représente à peu près 12 % du budget général là, de la municipalité. Donc, au niveau total des charges, on avait pour 467 800 de plus en 2023. Donc, par contre, au niveau des autres activités, c'est qu'on avait 1 783 700 en 2023. Puis en 2024, c'est 1 426 300. Donc, un moins 357 400. Ça, je vous dirais, c'est au niveau de l'usine de traitement de l'eau.
C'est que cette année, on a passé les grosses périodes parce qu'on faisait beaucoup des remboursements avec les capital et intérêts. Donc, cette année, là, les remboursements là, sont moindres. Donc, ça veut dire qu'on a une petite marge à ce niveau-là. Au niveau de l'immobilisation, on est moins 4 000. Fonds réservés, moins 48 000 2023, 20 000 pour 2024, 61 400. Donc, au niveau du grand total, ça vient représenter le 174 400. Comme que je l'ai mentionné tantôt, comme vous le savez, au niveau des matières résiduelles, c'est que pour résidentiel, ça c'est dans toutes les municipalités de la MRC, c'est qu'on va passer de 300$ à 335 par résidence. Puis il va y avoir une contribution supplémentaire de 15$ pour le ICI, de 335 à 350 pour industrie, commerce, institution. Donc, en façon générale, au niveau de l'impact, on parle toujours d'une valeur municipale, mettons, du 100 000 d'évaluation. Donc, le réseau normal, avec le taux de taxe de 1$ du 100$ d'évaluation, on va être à 91,40. Acaduc qui est égaux 2023, 97,40. Acaduc 2023, 93,50. Secteur de Portbeau, 94,40. Aucun service, 88 et 90. Ces montants-là comprend le 35$ pour ce qui concerne là, les matières résiduelles. Puis il y a tous les autres frais comme incluant aussi avec le réseau de l'an passé. Il y avait une contribution d'un 50$ qui était à l'ensemble des résidences de la municipalité. Donc tout est compris là, dans ce calcul-là. Donc la situation financière de la ville au 31 décembre 2023, je vais juste vous faire un petit comparatif versus le 2017, la première année que je suis rentré en tant que maire là, à la ville de Grande-Vière. Donc en 2017, il y avait un surplus accumulé de 222 220. 2023, on est à 897 000, donc un écart positif de 674 780. Au niveau du fonds de roulement, on avait 21 127. En 2023, 276 000. Une différence positive de 254 873. Au niveau de la réserve, il y avait 180 088 $. 2023, 532 000. Un écart positif de 351 912. 2017, ça faisait en tout un total de 423 435. 2023, 1 705 000, qui fait en sorte qu'on a une différence de 1 281 565. Comme j'ai expliqué tantôt, on avait estimé 209 000 $ pour un surplus d'ici au 31 décembre 2023. Donc, pour amoindrir un peu, là, pour en arriver, mettons, là, avec une différence de 174 400, c'est qu'il a été décidé d'appliquer 125 000 $ du surplus du 209 000 sur le budget 2024. Donc, qui font en sorte que c'est une des raisons pourquoi que le surplus accumulé est de 897 000. Par contre, étant donné qu'il va avoir le rôle d'évaluation, comme vous le savez, cette année, donc, pour les trois prochaines années, donc normalement, à la première année, on a juste eu les informations au début de la semaine. Donc, on avait prévu dans le budget là, un montant de 73 000. Donc, la facture va être de 120 000, 125 000 avec les taxes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de faire des changements au niveau du budget, c'est qu'on va affecter aussi un montant de 50 000 $. Donc, quand ça va être le temps de faire des autofinanciers, quand on va avoir la réelle facture, ben on va prévoir au pire là, un 50 000 du fonds de roulement pour assumer là, ce coût-là au niveau du fonds du rôle d'évaluation. Au niveau du programme triennal d'immobilisation, on parle des investissements de l'ordre 2024-2026 pour 11 403 841. Puis je vous dirais qu'à l'intérieur du budget d'immobilisation, c'est que là-dedans, sur le 11 millions, il y a le gros projet au niveau de la municipalisation du parc industriel de 4,7 millions. Comme vous le savez, là, la ville de Grande-Vière a signé l'entente avec la MAPAC pour la première phase, donc ça, c'est une subvention à 100%.
Puis, je vous dirais, là, pour certains projets, là, parce qu'on s'est fait beaucoup poser beaucoup de questions, mais au niveau des rues municipales, là, il est prévu là, pour frais de financement 2024. On a inclus là, dans le PTI la rue de l'Azur. On a mis aussi une partie des pavages pour la rue des Trembles, la réfection du dossier McTavish. Il y a une partie aussi réfection sur la rue de la Rivière. Puis il y a aussi la construction là, du réseau d'aqueduc pour le réseau GAF gagnant au niveau du développement là, logement locatif. Puis on a prévu aussi là, un montant de 75 000 $ pour éventuellement des achats de terrain au niveau des parcs industriels. Donc, puis on a prévu aussi 129 000 $ concernant là, la stabilisation de la berge ouest sur la rivière Grande Rivière. Comme vous le savez, proche du pont, c'est qu'on a une préoccupation. Les montants que viens de vous mentionner, il y a des parties sous forme de prêts, sous forme aussi de subventions, puis il va y avoir une partie aussi qui va être partie à partir du fonds de roulement. Donc, au niveau de l'impact sur le budget 2024, là, donc, comme vous le savez, en 2023, ben, il y a le réseau d'égouts d'Aqueduc qui a été mis en place. On est en mesure de brancher 127 résidences supplémentaires sur le réseau. Ça a permis aussi d'avoir des terrains disponibles pour éventuellement des nouvelles constructions. Il reste juste sur la rue Pionnier, là, des travaux que tu es supposé faire cet automne qui vont être reportés ce printemps. Toujours dans un intérêt d'économie de coût parce que il y avait une partie de la construction, ça prenait du chauffage, puis l'automne, c'est sûr, certains, ça aurait fait exploser certains coûts. Donc, il a été décidé de reporter là, les coûts de construction, là, le chantier en printemps 2024. Donc, cet investissement-là, ça a permis de faire une économie de 6 % pour l'ensemble du secteur desservi du réseau actuel. Donc, parce que veut pas 127 nouveaux résidents qui participent aux prêts pour l'usine de traitement à l'eau, etc. Donc, ça correspond pratiquement là, une économie, c'est correspond à 560 $ à 6 % de 34 $ Le nouveau secteur participe aux dépenses d'assainissement des eaux, comme que je viens d'expliquer, l'entretien du réseau, puis le remboursement de la dette pour l'usine de traitement de l'eau potable. La construction de la nouvelle caserne des pompiers a permis à la ville de devenir aussi propriétaire d'un immense terrain en plein centre-ville pour le développement du logement locatif, GAF gagnant, en plus de répondre à la demande de l'étude d'optimisation de l'offre de services incendie en 2018, comme que vous le savez. C'est qu'avec la fermeture de BMR, on a fait faire une étude. Est-ce qu'on construit une nouvelle caserne ou qu'on agrandit la caserne actuelle ou bien qu'on convertit le BMR en caserne? Donc, je pense qu'avec le résultat, puis ce qui avait été prévu dans le budget, je pense qu'on a respecté là, le budget qui avait été mis en place. Puis présentement, je pense qu'on a eu des plus belles casernes de l'Est du Québec. Donc, c'est un plus là, pour la qualité de vie, puis au niveau de la sécurité. Avec tout ce qui s'est passé durant l'année, que ce soit les feux, que ce soit n'importe quelle intervention, moi, je peux vous dire qu'on a une bonne brigade avec des équipements, puis on sait qu'on a la capacité, puis on peut permettre, là, maintenant, à la brigade d'avoir dans un seul endroit stratégique l'ensemble des équipements pour intervenir, que ce soit sur terre, nautique ou en forêt. Donc, c'est un plus pour une municipalité. D'un autre côté, comme vous le savez, ben, c'est pas nécessairement la ville qui a financé. Par contre, là, on avait prévu dans le PTI un montant de 560 000 pour la construction de Junance. C'est un peu là-dessus qu'on avait pris un peu le lead du dossier. Mais en travaillant en partenariat avec la commission scolaire puis l'école des pêches, on avait déposé là, ce projet dans le Parfim. Puis le fait qu'il soit déposé, ben, le ministère de l'Éducation a décidé de même d'aller de l'avant pour financer la deuxième phase qui nous permettait d'avoir un Junance 18-24 au lieu d'un 12 par 18, 18 mètres. Au niveau de l'entente de cession pour la municipalisation du parc, on a eu déjà un premier versement de 2 700 000 sur le total de 4,7, comme j'ai mentionné tantôt. La ville a décidé d'injecter le 125 000 sur prêt accumulé. On va aussi là, de mettre une réserve du 50 000 $ affectés si la facture est réellement 125 000. Puis,
Comme vous le savez, les décisions étaient prises aussi en fonction. C'est que 2024, là, présentement, on s'est connu. C'est la firme Servitech qui a été retenue par les RMRC pour faire le nouveau rôle. Donc, le nouveau rôle, les nouvelles évaluations qui vont être mises en place, ça va être effectif pour le budget 2025. Puis, j'en avais parlé en 2023, mais l'attente des nouveaux investissements, avec le projet de la zone bleue, la seule chose que je veux mentionner, pour les gens qui sont abonnés au Journal des affaires, donc je vous invite à aller voir, spécial édition, surtout à la page 7, qui parle entre autres des projets de zone d'innovation. Il y a des chantiers qui sont en cours, donc il y a des chantiers qui sont dans le feu vert, dans le feu jaune et dans le feu rouge. Puis présentement, la zone bleue, lieu Rimouski et Grande-Rivière, on est dans le vert avec la zone d'innovation en agroalimentaire à Saint-Hyacinthe. Donc ça a une connure très bien pour le projet. Donc on attend des bonnes nouvelles maintenant en 2024. Puis d'autres informations que je pourrais apporter, c'est qu'au niveau de l'augmentation du budget 2024 de 174 400, c'est sûr certain que il faut considérer que cette année, comme je l'ai expliqué pour 2024, on avait une augmentation des frais de financement de 268 000. On a eu une baisse de la péréquation en 2024 de 214 000. Par contre, on a vu une augmentation du partage de la croissance de TVQ de 133 000, mais on était dans un écart négatif de 82 000. Donc, on a décidé de faire l'affection du surplus de 223 000. Puis tantôt, comme je vous ai expliqué, c'est que les projets majeurs, que ce soit la municipalisation du parc, que ce soit qui va être financé à 100% les travaux qui s'en viennent. Le projet de réseau d'égouts d'Acaduc, qui est réalisé à pratiquement à 95%. Puis le dossier de l'aéroport Rocher-Percé, comme vous le savez, étant donné qu'il est situé à Grande-Rivière, pour nous, c'est un développement stratégique. Donc là, présentement, l'agrandissement de la piste de 1000 pieds, l'aérogare qui est en train de se faire agrandir, c'est un peu les trois gros projets majeurs. Je vous parlerai pas des autres projets qui s'est réalisé, entre autres, tantôt, la caserne de pompiers, piste d'athlétisme. Donc, il y a le carrefour d'innovation aussi. Comme vous le savez, les travaux sont en cours. Donc là, pour les autres développements, on met beaucoup de l'emphase via la zone d'innovation. Parce que la zone d'innovation va nous permettre d'avoir un coffre d'outils qui va pas nous supporter puis venir nous appuyer dans le développement. Donc, en considérant tout ça, juste au niveau des dépenses présentement, on avait une augmentation en net de 127 000. Mais cette année, l'année passée, on a pris la décision de mettre un 200 000 $ du surplus accumulé pour atténuer un peu l'effet de la hausse de taxes. Cette année, c'est la même chose. C'est sûr qu'on passe de 95 cents à 1 $, mais le fait que la Ville a décidé de couper certaines dépenses stratégiques dans son budget, puis d'injecter 125 000 $ de ce surplus affecté, ça fait en sorte que on parle d'une augmentation de 2,37 pour le budget 2024. Donc, c'est les grandes lignes du budget 2024. Donc, personnellement, c'est que moi, ce que je suis un peu fier, c'est que au 31 décembre 2023, présentement, on aurait un surplus accumulé de 897 000. Si on enlève maintenant de 50 000, éventuellement, le besoin parle pratiquement de 850 000. Donc, quand on se compare avec l'année de 2017, qu'on était à 222 000, que là, pratiquement, on est à peu près à 850 000, puis qu'on est en mesure de pouvoir mettre en place les gros chantiers, les réaliser, donc dans pratiquement 6 ans. Donc, j'en suis fier. Donc, ce soir, on présente un budget en tenant compte de l'inflation. Comme vous le savez, moi, pour le mois de décembre, j'avais 2 objectifs. Je voulais régler l'entente, les négociations avec pour la convention collective. Puis le deuxième dossier, c'était m'assurer de mettre en place un budget qui va venir répondre un peu aux besoins, puis tenir compte un peu de l'inflation, de tout ce qui se passe, parce qu'éventuellement, les intérêts, et ça va se mettre à descendre, que je pense que le cours de la vie, à un moment donné, il va reprendre. Mais puis le fait aussi qu'il y a le rôle d'évaluation à partir de 2025,
Ça, il faut en tenir compte. Là, c'est pour les gens qui suivent l'actualité présentement, Gaspé, New Richmond, Carleton, on parle tous des augmentations à peu près de 36 %. Que quand je me compare aux autres municipalités, la plupart ont essayé de se mettre en dessous de l'inflation, c'est-à-dire d'essayer d'être en bas au moins en bas de 5 %. Je pense que ce soir, de vous présenter un budget de 2,37. Je pense qu'il y a un bon travail qui a été fait. Voici concernant le résumé pour le budget 2024. Est-ce que vous avez des questions? J'ai beaucoup parlé. Est-ce que, étant donné qu'il n'y a pas de conscience en question au niveau du membre du conseil, étant donné qu'on a des gens présents ici ce soir, est-ce qu'on a une question dans la salle à propos du budget? Non, moi j'ai tout simplement un renforcement à faire effectivement quand j'ai écouté les autres assemblées, les autres municipalités et les augmentations de budget sont supérieures à 2,37%. 2,37. Oui, 2,37. En 2023, je ne me souviens plus, l'augmentation, c'était pas mal dans le même. Bien, l'année passée, en 2023, on avait une augmentation à peu près de 725 000, OK? Sauf que le 725 000, c'était relié à cause de le principal emprunt pour le réseau d'égouts d'Acaduc, OK? Sauf que, comme vous le savez, il y a 127 résidences dans lesquelles que les gens payaient à peu près 1200 $ par 100 000 d'évaluation pour les deux services. Puis pour un service, c'était 963 $ de mémoire. Fait que c'est ça qui venait un peu compenser, mais on avait une augmentation de d'une scène. Puis l'année passée, on avait décidé d'injecter 200 000. Cette année, on injecte 125 000. Sauf que on a décidé de diminuer le fonds de développement cette année parce que on considère que les projets majeurs, mais tantôt dans le PTI, je pense que ce qui est important, tu sais, je veux pas que les gens pensent que vu qu'on est à l'année 3, tu sais, du mandat, qu'il y a des gens qu'on va arriver en mettant à la fin de mandat, puis on va sortir des projets là pour. Je veux juste mentionner qu'on a un plan de match. Puis au niveau là, de certaines réflexions de rue municipale, le directeur général là, a déposé un projet. On est en attente des subventions. Donc, tout dépendant des délais qu'on va avoir, mais il est prévu en 2024 là, pour certains travaux majeurs sur certaines municipalités. Donc, les membres du conseil avaient mentionné là, certains éléments. Je sais même dans le budget, là, il est prévu là, tout ce qui concerne là, le réseau d'égouts de Caduc là, Saint-Hilaire là, 2025-2026. Donc, il va y avoir un travail qui va être fait à ce niveau-là, pareil, pour évaluation. Mais on est au début là, de ce projet-là. Réduire les augmentations de taxes. Oui, mais le 50 000, c'est parce qu'en réalité, c'est que quand on a fait le budget, c'est qu'on avait budgété 73 000 $ parce que l'an passé, c'était 55 000. Mais on a reçu la facture, là, l'information, parce qu'ils sont en appel d'offres à la MRC. Ils ont juste eu l'information lundi soir. Puis nous, on fait partie des municipalités dans lesquelles Servitech là, doivent revoir le rôle d'évaluation. Donc, la facture, là, elle va être de 125 000 $. Donc, à 125, moi, 73, c'est sur le calcul, il y a un manque à gagner présentement. Là, donc, c'est pour ça que j'en ai parlé au directeur général puis au trésorier. Donc, au lieu d'apporter des modifications au budget, on a décidé de le maintenir. Étant donné qu'on avait un surplus de 897 000, on va attendre effectivement la réelle facture. Mais c'est important que je le mentionne à soir pour que les gens comprennent qu'il y a 50 000 qui vont être affectés pour s'assurer qu'avec la firme Raymond Chabot Green Thornton, qu'on a tenu compte là, de cette dépense supplémentaire-là. Bravo. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, bien, merci pour votre commentaire. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on serait rendu à la levée de la séance. Donc, il est présentement 19h30.
Donc, budget 2024 de la ville de Grande-Rivière, donc une augmentation de 174 400. La majorité des augmentations pour les évaluations de 100 000 et moins, c'est en dessous de 100 $, qui comprend l'ensemble des coûts, matières résiduelles 35 $, etc. Donc, je pense que on a présenté un bon budget. Puis là-dessus, ben, je vous souhaite là, une bonne soirée. Ça prend un proposeur au budget. Ça vous prend un proposeur au budget, mais oui, ça vous prend un proposeur. C'est qui qui propose? Puis après, je pense que les gens, là, Monsieur Baudin propose pour le budget. Puis avant de lever la séance, c'est que, étant donné que c'est notre dernière séance, le dernier contact qu'on a avec le public là, avant la période des fêtes, donc je vais laisser l'opportunité, les membres du conseil, là, si vous voulez souhaiter des souhaits là, à la population et au secteur, en débutant par M. Baudin. Merci M. le maire. Comme à chaque année, on profite toujours de la séance du budget pour faire nos vœux de Noël, chacun et chacune. Donc à l'ensemble de la population, particulièrement à ceux du quartier numéro 6 que je représente, à l'ensemble des membres du conseil, personnel cadre, col bleu, col blanc, je tiens à souhaiter un joyeux temps des fêtes, une bonne et heureuse année 2024. Puis, comme je dis toujours, ben, ceux qui ont à prendre la route là, pour la période des fêtes, là, soyez très prudents. Et on se revoit à l'Assemblée de janvier 2024. Merci. Monsieur Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. Moi, je voudrais souhaiter à tous les citoyens et citoyennes du secteur 5, mon secteur, et à toute la population de la ville de Grande-Rivière, un joyeux Noël et une bonne année 2024, santé et bonheur, et à tous les employés cadres et les employés du secteur Boiry. Merci. Merci, M. Leblanc. Madame Nicolas. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. À vous tous, chers citoyens, et surtout ceux de mon district, je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année 2024. Que la santé vous accompagne durant cette période. Si vous avez à vous déplacer, soyez prudents sur les routes. C'est tout, M. le maire. Merci. Monsieur Briand. Merci, M. le maire. Chers citoyens et citoyennes, en cette période des fêtes et des réjouissances, j'aimerais vous souhaiter et exprimer mes meilleurs voeux de bonheur, d'espoir, de paix, de santé à vous tous et à vos proches. J'aimerais aussi vous souhaiter une très belle année 2004. Qu'elle soit remplie de espoir. 24. Qu'elle soit remplie d'espoir et de réconfort. Qu'elle vous apporte santé, sérénité et confiance. Que vos rêves les plus chers se réalisent. Nous vous souhaitons donc le meilleur pour l'année 2024. Que la magie de Noël opère en vous et réchauffe vos cœurs. À vous tous et à vos amis tout au long de l'année. Alors faites-vous plaisir et partagez des bons moments avec votre famille. Et bien sûr, ne pas oublier vos aînés. Voilà ce que je vous souhaite du fond du cœur à tous et un très joyeux Noël et une excellente année 2024. Profitez de cette période de l'année pour vous reposer et passer du temps avec vos proches. Donc, joyeux Noël à tous et à toutes. Bien, merci. Monsieur Moreau. Merci, Monsieur le maire. Je l'ai déjà fait à l'Assemblée de lundi, mais malgré ça, je vais refaire pour les gens qui n'ont pas pu écouter l'Assemblée de lundi soir. Alors, pour les gens de mon secteur, quartier du Monde, ainsi que toute la population de la ville de Grande-Rivière, la fête de Noël est l'occasion idéale de partager la joie dans nos cœurs. C'est aussi le moment d'avoir la gratitude pour toutes les bontés d'offrir la vie et de remercier tous ceux qui, comme vous, apportent un petit extra de joie durant toute l'année. Je vous souhaite un joyeux Noël, bonne et heureuse année, pleine de santé et d'amour. Merci. Merci. Monsieur Anderson. Oui, bonsoir, merci. C'est la même chose. C'est à tous les citoyens de mon quartier, district numéro 1, et toute la population de Grande-Rivière, tous les membres du conseil, les directeurs, le monde de l'administration, au niveau aussi des employés municipaux. Un très joyeux Noël, une très très bonne année 2024. Santé, surtout la santé. Prospérité, tant mieux. C'est là. Surtout la santé, le principal. Merci beaucoup. Merci, M. Anderson. Puis avant de procéder à la levée de la séance, là, je pense qu'il y a quelque chose qui est important que j'aimerais mentionner ce soir. Quand on parle d'un estimé de 209 000 $ pour 2023, ben il y a des raisons à ça.
C'est que, comme vous le savez, en 2023, on a eu une période dans l'année qu'on n'avait pas de directeur des loisirs. Il y a eu une période, puis même en ce moment, là, le poste du directeur public est présentement, il est libre. Je tiens à remercier le directeur général qui pendant cette période-là, il a pratiquement assumé les trois fonctions. Donc, on a eu l'arrivée de M. Tommy Lumberger, qui est arrivé comme directeur par intérim, qui débute, puis qui est supervisé par le directeur général. Donc, c'était un coup de main. Donc, quand ça a été le temps là, pour la période des négociations, pour la période de soir, ben, le directeur général s'occupait de faire aussi les tournées pour s'assurer que tout était beau. Donc, je tiens à remercier le directeur général. Puis, dans un effort aussi d'essayer toujours de diversifier les revenus, ben, le directeur de service incendie, il a eu l'opportunité, il avait été sollicité pour superviser le service incendie aux îles La Madeleine, qui nous a permis de sortir des revenus additionnels. Donc, ces revenus additionnels-là font en sorte que ça nous a permis de dégager certaines sommes qui expliquent en bonne partie là, pourquoi il y a un surplus accumulé avec les cinq gestions qui ont été faites. C'est sûr et certain qu'après 9 mois, on sait toujours un peu où est-ce qu'on est rendu, là, tu sais, après trois trimestres. Donc, le dernier trimestre, on essaie toujours de serrer la vis un peu pour s'assurer de pas faire de déficit, de toujours être un peu en surplus, mais je tenais à l'expliquer. Puis, une des raisons pourquoi que les finances vont bien, ben, je tiens à remercier les cadres, le parti administratif, que ce soit Jacques, là, qui est très à jour. Je suis très exigeant au niveau de la gestion des finances, mais je tenais à remercier. Puis, honnêtement, là, la ville de Grandière, on est chanceux d'avoir une bonne direction. Là. Donc, merci, monsieur le directeur général, de tout le travail que vous faisiez pour la ville. Puis, je sais que la ville, vous l'avez à cœur. Donc, c'est beaucoup apprécié par les membres du conseil. Donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Donc, pour ma part, à moi, ben, vous écouterez les médias. Vous allez entendre mon mot des joyeux de fête là, par les médias. Donc, bonne soirée, merci. C'est qui propose de lever la séance? Madame Nicolas. Donc, là-dessus, des joyeuses fêtes à tout le monde. Merci.